Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode 2 sur Hogwarts Legacy, l'aventure d'Harry Potter. Oui, je peux enfin dire le titre officiel. Et on s'était laissé la dernière fois après moult péripéties au point de vue de l'introduction. Et bien on va continuer notre aventure en faisant notre premier cours, qui est le cours de sortilège avec le professeur Ronen, si ma mémoire est bonne. Et on va apprendre le sortilège Accio, comme dirait le professeur Flitwick. Allons. Bon, là, je speedrun, hein, parce que on connaît le chemin. Oula, oula, du calme. C'est parti. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronen? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Fayotte. Akio! Et ce poti! Trop facile. Action! Et boum! Pas mal du tout! C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Il est content. Alors, pour rappel, vu que je vais incarner Harry Potter, vous sentez ma pointe de désespoir. Pour vous dire, en fait, j'hésitais avec Hermione Granger, mais bon. Je vais être évidemment gentil. Je vais être gentil. Je vais pas escroquer de personne. Je vais pas leur demander de l'argent. Je vais sauver toute âme qui vit. Voilà. Donc, attendez-vous à ce que je sauve toute âme qui vit sur cette peuplade. Voilà. On va être l'élu. On va être le héros. On va être l'homme de la situation. Tout simplement. Mais bon, je trouvais ça intéressant de jouer Harry Potter après avoir fait Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PS2. Il me manque encore les Reliques de la Mort à faire sur DS, parce que tous les autres, je les ai fait sur toutes les consoles possibles. Enfin non, il y a d'autres consoles aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait les autres chapitres dans moult plateformes, et là, il me manque plus que les Reliques de la Mort à faire. Parce que j'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour
pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Il est content. On se demande où il a trouvé toutes ces planches. Hein. Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Bon, m'en voulez pas hein, si je perds. Alors, de mémoire, pour arriver dans le bleu, sur l'une des sphères, il faut que je lance... Oui, je sais. Action. Je pense qu'il faut l'arrêter là. Excellent contrôle. Voilà, quand on arrive au milieu de l'orange. Là. Superbe. Parfait. Là. Voilà. Parfait. Très bien, des points pour Gryffondor. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade? Il est vraiment pas lourd, hein, Harry Montez. Potter. Il est vraiment pas lourd, hein, Harry Potter. Vous aurez les bleus comme tout à l'heure. Natsai, Onaï. Vous serez rouge, compris? Compris. On l'attend, on attend. Alors, elle va un peu me gêner, donc je vais prendre celui tout à droite. Action. Excellent. Il compte comme 50? Oh purée, il compte comme 30. Oh, ça c'est pas bien ça. Alors attends, on va faire là. Voilà comment on fait. Mais je t'emmerde. Je vais te montrer moi comment on fait. What? Pourquoi il est plus léger? Enfin plus lourd. Voyons voir. Oh, elle va pousser les miens. Allez! Regardez le génie. Ok. Donc là, tranquille. Action. Regarde le boss. Voilà. Ça c'était le plus simple. Généralement c'est le prochain que je perds. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Et c'est là le drame. C'est là je le drame. On a déjà dépassé ce stade. C'est là où le drame commence. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Allez, vas-y, honneur aux dames. Décisive. Concentre-toi. Ouh, ça, c'est un joli coup. Oui. Action. Elle est encore, encore, encore. Oui, je crois que ça compte comme 50. Je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Je crois que ça passe. Ah non, ça passe pas. Vas-y, pousse le mien. Mon sang. Vous savez quoi? On va pas tenter le diable. Action. Voilà. Eh ben écoutez, parfait. Parfait, parfait. Bravo à vous deux. Bon travail. Je peux avoir des points, s'il vous plaît, des points pour Gryffondor, même si j'ai combattu une Gryffondor, parce que faut avouer que j'ai fait un très beau score. 130 et 120. Je pense que, voilà, on est à 30 points du perfect, quand même, quand même. Donc, non, pas une petite récompense, rien.
Écoutez, hein, tant pis, je sais pas. Hein. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Bon, après, elle a de grandes compétences quand même, hein. Si vous vous rappelez, je vais pas vous spoiler. Hein. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ça a été un plaisir de te parler et de t'affronter. Pareillement. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Ouais. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que je peux vous parler un instant. Pas sur les humains. Vous vouliez me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Très bien. Bon là, j'ai pas commencé à chercher les coffres et tout, parce que bon, faut pas exagérer non plus. Hein. Par contre, oui, vous allez pas pouvoir voir pour l'instant. Ah, je peux pas vous le montrer pour l'instant. Mais j'ai plein de choses à vous montrer. Hein. Du coup. Levioso, c'est parti. Bonjour. Pas le temps. Quoi, c'est tout? Bombarde! Levioso! Professeur Ikat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Trop
trop facile. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Eh ben c'est parti. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas... Levioso! Bien! Bravo! C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Levioso. Mes enfants. Je sais. Chance. Ça n'a rien à voir là-dedans. Stupéfie. Premier duel. Les duels animés sont passionnants. Trop simple. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci, professeur Hecate. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien, le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Eh ben, c'est dommage qu'on n'a pas pu faire Axio parce que j'aurais bien voulu l'enchaîner avec Axio, mais bon. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais... ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. La question se pose, les amis... est-ce que on joue... ah, on va jouer le gars qui respecte les règles quand même. Clandestin? Je ne sais pas. Les règles existent pour une bonne raison. Oui. Pour cacher des choses aux élèves. Des tas de choses qu'ils ne nous pensent pas prêts à savoir. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou... pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Bah oui, je vais aller lui parler, à la prochaine. Sûr.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, l'azur. Ah, fallait pas que je descende ? Zut ! Donc oui, on va essayer de pas enfreindre les règles, les amis. C'est comme... Je vais vous spoiler un truc. Les sortilèges qu'Harry utilise dans les films, on va les apprendre. C'est-à-dire, le sortilège de l'Imperium, on va l'apprendre. Doloris... Le sortilège Doloris, on va l'apprendre parce qu'il l'utilise contre Bellatrix. Mais je n'apprendrai pas le sortilège de la mort. Sachez-le. Revelio. Je n'utiliserai pas le sortilège de la mort. Ah, oh non. Pareil. Je sors tout droit de la cuvette des le sortilège de l'Imperium et Doloris, on va pouvoir l'utiliser. Mais je ne vais pas les améliorer. Vous vous souvenez des talents? Au niveau des talents, je ne vais pas améliorer les sortilèges impardonnables. Je vais me focus sur les sortilèges de combat de base. Le can est juste là. Voilà. Voilà, c'est juste à côté, donc je fais. Hein. Donc voilà, vous êtes prévenus, les amis. Vous êtes prévenus. Je peux t'aider ? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Bien sûr. Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Bien sûr. Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant ! Que le feu d'artifice commence ! Allez, je me concentre. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Les cœurs sont vivants. Protego. Action. Attention à ta raquette. Les cœurs sont. Lumos. Excuse. Y'a pas un truc que je peux lui balancer ? Voilà, c'est simple, hein. Bah... C'est tout ce que tu peux faire. Même pas toucher le sol. Peut-être qu'un jour, je vais avoir ma chance. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Eh ben, une bonne chose de faite. Bon, chaque fois, j'attends un peu, histoire que les quêtes se mettent à jour, vous savez. Donc, je vous le rappelle, les amis, maintenant, je fais des vidéos d'une heure hein, sur Hogwarts Legacy. Donc, on va enchaîner. Allez, allez. Moi, j'aime bien hein, le skin d'Harry, comme ça, en mode relique de la mort. Moi, j'aime bien. Après, dites-moi en commentaire quel style de tenue vestimentaire vous auriez voulu avoir concernant Harry. Je
Je crois que l'un des autres skins disponibles pour Harry, c'est celui dans l'Ordre du Phénix, au début, quand il est avec son cousin Dudley. Me semble-t-il. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Hecate et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort ? Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation ? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela ? Et Lumos ? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Allez, appuie. Ah, je peux pas appuyer avec le... Okay. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite, pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Bon, allez. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Ok. Elle nous incite à boire. D'accord, d'accord. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation, Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Je vais commencer tout de suite, professeur. C'est le bon endroit. Et voilà.
c'est pas bien compliqué, hein. C'est pas bien compliqué. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Action! Attendez, faut juste que... Ouais, c'est bon. Fantastique. Désolé pour ce spam. Ah. J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles. Autant le faire. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Oui, bah, et merci, je le sais, hein. Bon, allez, go. Waouh, c'est dur, hein. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Préparons. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous ne pouvez pas. Revelio. Et j'étais censé faire quoi? Juste ça, c'est tout? Bon bah... Les Leviosos. D'accord. Eh bien, continuons les quêtes. Bon, on y va à pied, hein, c'est pas loin. Allons rejoindre Nati. Je n'ai pas envoyé. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Bonjour. Je crois pas qu'on se connaisse. Je vais juste accepter la quête. Bonjour. C'est tout. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Oh, bon, t'inquiète, hein. Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Désolé, mais je ferai ça plus tard. On va pas faire attendre Nati. Elle, j'ai accepté parce qu'elle était sur mon chemin, mais c'est tout. Mais rassurez-vous, on le fera, on le fera. Bonjour. Revelio. Vous me cherchez ? Nati, j'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. Et c'est parti pour la visite de Préolard. Toujours avec immensément de temps de chargement. Rassurez-vous, ça arrive. C'est un peu long, mais ça arrive. Voilà.
Eh ben, on est bon. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Ah, tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les ruines anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Réolar est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. T'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Je la laisse parler, hein. Elle a envie de parler, donc... Par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Ah ? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. D'accord. T'as pas envie de parler ? Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Tu crois que Poppy a déjà vu les hippogriffes ? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot « interdit » fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Nah. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone. Comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça ? Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si... nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, t'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi, ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Monsieur Moon ! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, hein ? Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onai. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon ? Une demi... aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre monsieur Moon, une demi-guise. Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. Oui. D'accord. Bon allez, trêve de blabla. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations, si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai. Rébellion ! Mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nathan. J'ai vu. Merci. Action !
Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois Balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Honeduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après au lard. Bah lui, il a bien cuvé, hein. Il a pris un peu trop de bière au beurre. Le professeur Weasley a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Pré-Aulard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien, et à tout à l'heure. Ok. Alors, bon, on va commencer par Tom et Parchemin, écoutez. Bonjour. Voici un réveillon. Excusez-moi, je suis là pour les créasors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, Monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Pas le temps. Le plus proche, je dirais que c'est Ollivander. Pararam 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 pararam. Réveillon. Ah, Merlin. Je sais pas par quoi. Where is? J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, j'ai... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous ? Non, 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 pas toi. Non. Ah, oui... Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci.
Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu? Peut-être que... Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Alors, je peux pas changer ? Intéressant. Étrange, très étrange. Attendez, deux secondes parce que j'ai pas la mémoire. Petite recherche Google. Deux secondes. Harry Potter. Baguette. Elle est en bois de où ? Intéressant. Hop, hop, hop. Bois de où ? Je veux les centimètres, s'il vous plaît. Bah, bref. Hein. Très souple. Étrange, très étrange. Ah non, c'est de l'autre côté. Voilà. Et pour la longueur... Intéressant. Oh. Bon, on va mettre 28, hein. Il n'y a pas d'entre-deux, donc bon. Alors, un cœur de dragon qui a servi à la fabrication d'un cœur de dragon à baguette, connu pour produire une puissante magique. Bah, les baguettes en cœur de dragon bah non, lui, Phoenix, sont les plus puissantes. Phoenix. Et elles apprennent très vite. Ok. Alors... Ah bah voilà, en fait, ça c'est le récapitulatif. Ok, donc où ? Plume de phénix, assez souple, 28. Je pense qu'on est plutôt bon. Hein. Alors, qu'en dites-vous ? Extraordinaire ! Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était bien.
différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Je comprends. Et un cœur en plume de phénix est terriblement sélectif. Cela devrait parfaitement convenir. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Eh ben, c'est promis, hein. C'est promis, c'est promis. Alors, normalement, je peux vous le dire, hein, maintenant, au niveau de la baguette, j'ai fait en sorte d'avoir la baguette de Harry. Mais là, je crois que c'est pas le cas. C'est bizarre. Faudrait que je planche là-dessus. Donc, je verrai ça un autre moment, les amis. Du coup... Bah on va aller à la boutique de potions ici. Ça permettra aussi de débloquer la poudre de cheminette. Voilà. Bonjour. Voilà, ça c'est gratuit. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolar. Vraiment ? Eh bien, Harry Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous ? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions ? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes ? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Eh ben, il blablate beaucoup quand même, hein. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard. Oh, si vous l'avez tais-toi, pas please. Alors, prochaine étape, ici. Ah, je me suis cogné contre une marmite. Ok. Action. Ça, c'était gratuit, ça. Revelio. Bonjour, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de cinquième année. Alors c'est vous ? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai ? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame ? Bah oui, ça serait cool. Je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut.
Je ferai bien de retrouver Nati. Eh ben écoutez les amis, non. On va pas la rejoindre parce que je sais ce qui se passe après. Donc je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. On fera la suite demain pour de plus amples aventures sur Hogwarts Legacy, l'aventure d'Harry Potter. Du coup, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.